Moi, je me souviens très bien, il y a environ une petite dizaine d'années, je pense, avoir vu la vidéo de la première conférence gesticulée de Franck Lepage. Mon frère me l'avait envoyée comme une vidéo à regarder. Je pensais que c'était quelque chose qui durait 4-5 minutes, et puis j'ai dû réorienter l'écran de l'ordinateur sur le canapé pour bien m'installer et regarder pendant plusieurs heures l'excellente conférence gesticulée. Et je me suis dit, mais c'est un excellent support politique parce que tout y était, quoi. Un contenu très fort, mais en même temps, par le biais d'images, par le biais voilà, d'incarnations, de choses quotidiennes, compréhensibles, et qui restent en mémoire. Et puis à ce moment-là, je ne me suis absolument pas dit que je me ferais moi-même une conférence gesticulée. Mais par contre, quelques années plus tard, Tiphaine Ducharme, une camarade du parti de gauche, elle avait suivi une formation avec la coopérative d'Éduc'Pop de Franck Lepage, et elle s'était mise à construire sa propre conférence gesticulée. Et elle nous avait joué sa conférence gesticulée, et j'avais trouvé ça excellent. Et un an après, elle m'a embarquée quasi de force, elle m'a kidnappée avec d'autres camarades pour monter un stage de conférence gesticulée. Et donc c'est là, c'est par cette démarche-là, grâce à elle. Mais c'est très fort parce que moi, au début, je ne croyais pas deux secondes. Hein. Son stage, je me disais que bon, allez, ça allait être sympathique, j'allais au moins passer du temps avec mes amis, avec mes camarades, mais je ne serais pas forcément capable, moi, dans le temps court qu'on s'était donné, de faire une conférence gesticulée, quoi. Faut quand même pas exagérer. Alors, ma conférence gesticulée s'intitule Hubert, les salauds et mes ovaires. Et en fait, il y a trois fils. Il y a le fil de l'ubérisation, en fait, le fil, je dirais, de l'oligarchie, à travers le dossier Lafarge, qui certes n'a rien à voir avec l'ubérisation, mais peu importe, et un fil féministe. Et donc, en fait, avant de me mettre dans cette démarche de conférence gesticulée, j'avais envie d'écrire un bouquin sur une aventure que j'ai eue, une aventure politique, avec la bataille des taxis contre l'ubérisation. Donc, c'est une bataille dans laquelle je suis rentrée vraiment par hasard, parce qu'on m'avait offert un livre, Hubert, la prédation en bande organisée de Laurent Lane, qui est un livre très bien, extrêmement pédagogique, et qui explique bien cette nouvelle étape du capitalisme à travers l'ubérisation. Et donc l'auteur, Laurent Lane, m'a permis de rencontrer la CGT Taxi et puis une coopérative de taxis Alpha Taxi, enfin les responsables. Et en fait, ces personnes-là m'ont fait découvrir toute la problématique des taxis. J'ai été amenée à présenter un vœu au Conseil de Paris contre l'ubérisation, mais sous l'angle des responsabilités de la collectivité parisienne. Et en fait, à l'issue de ça, j'ai eu au Conseil de Paris une petite intervention qui a été mise sur YouTube, et j'ai eu plus de 6000 taxis qui l'ont regardé, et vraiment avec des commentaires extrêmement touchants, quoi. Plus d'une centaine de mails. Et j'ai l'impression d'avoir été comme ça plongée dans tout d'un coup un autre univers social que je ne connaissais pas, sur lequel j'avais énormément de stéréotypes. Pour moi, les taxis, c'était plutôt des fachos, des populistes de droite qui se prenaient pour des petits patrons. Enfin, je pense des clichés que tout le monde peut avoir. Et puis, je rencontrais une profession qui était dans un niveau de conscience anticapitaliste extrêmement élevé, parce qu'ils se prenaient justement la logique ultralibérale de l'ubérisation. Et puis, ils m'ont aussi touché extrême de manière forte. Et j'étais amenée à les suivre, à aller dans pas mal de luttes. Et toute cette aventure-là, je la raconte beaucoup plus en détail dans ce qu'elle peut nous enseigner dans la compréhension de la nécessité de se battre contre, finalement, ce suicide social collectif que l'ubérisation nous impose, qui est de nous réduire à des consommateurs qui vont finalement essayer de consommer des services toujours plus low cost, et par ce biais-là être co-responsable, complice de la casse du code du travail, de la casse de la sécurité sociale et de la casse de nos services publics à travers l'appauvrissement de l'État et l'évasion fiscale finalement de l'ubérisation. Donc vraiment là, j'ai ce fil-là. Bon, deuxième fil, la question de l'oligarchie. J'ai été amenée au Conseil de Paris à intervenir contre une convention que la ville de Paris renouvelait avec Lafarge pour récupérer le sable de Paris Plage. Mais sauf que c'était 15 jours après les révélations du Monde sur le fait que Lafarge, pour continuer d'exploiter sa cimenterie en Syrie, eh bien, avait été prête à payer les djihadistes. Bon. Et je me suis retrouvée seule à voter contre au Conseil de Paris. Mais en fait, cette histoire-là, elle va permettre, tout au long de la conférence gesticulée, de pouvoir, de manière décalée, montrer toute la logique
oligarchique derrière le système capitaliste et tout le cynisme qu'il peut y avoir. Mais je ne peux pas tout raconter dans cette interview, il faut venir voir la conférence gesticulée. Et troisième fil, eh bien, les ovaires, forcément, ce n'est pas simplement parce que ça rimait avec Uber. Pourquoi est-ce que je parle de mes ovaires? Mais parce que dans toute cette conférence gesticulée, qui je suis, moi, la petite fille qui grandit et qui devient de fait féministe parce qu'elle prend conscience de la domination patriarcale. Et même si je n'ai pas été victime de choses graves, je raconte plein de petites anecdotes dans ma construction politique qui m'ont amené à réaliser l'impact du sexisme dans notre vie quotidienne et qui plus est dans le monde politique. Et alors tout au long de cette conférence gesticulée, j'ai aussi un objet, parce que j'avais pas de poireau moi, hein, et ça me stressait beaucoup. Alors pour ceux qui comprennent pas pourquoi je parle de poireau, c'est parce que l'objet fétiche du début de la conférence gesticulée de Franck Lepage et qui m'avait beaucoup impressionné, c'est qu'il arrive sur scène avec un poireau et il dit « Avant j'étais dans la culture, maintenant je suis dans la culture ». Et ça, cette image-là, je la garderai toujours en mémoire. Et je me dis que c'est ça la force aussi d'une conférence gesticulée, c'est de trouver à un moment donné un objet, une image, qui va graver les mémoires. Donc moi j'ai cherché longtemps le poireau de ma conf et c'est un verre en plastique. Et à travers les verres en plastique, donc ces verres jetables qui sont totalement anti-écologiques, ils vont symboliser les travailleurs jetables. Et donc je vais casser des verres pendant toute la conférence gesticulée, mais je vous rassure, pour mon empreinte carbone, je garde mes verres dans une valise et je les emmène avec moi à chaque fois que je joue ailleurs ma conf. En fait, moi, la particularité aussi, c'est qu'après avoir participé au stage d'éducation populaire et d'avoir joué ma conférence gesticulée, il y a des copains qui ont trouvé ça extraordinaire. Ils disent « Daniel, il faut que tu ailles dans un théâtre ». Alors, ils m'ont flatté, ils m'ont dit « Oh là, ils m'ont payé pour aller te voir ». Ça m'a fait beaucoup rire, je ne croyais pas deux secondes. Et à ce moment-là, on m'a présenté un metteur en scène, Alain Degoy. Alias Papy, bon, qui est un très grand metteur en scène et qui a notamment énormément travaillé sur le théâtre d'improvisation. Et il menait énormément d'ateliers à Trappes, il était très, très engagé. Et c'est lui qui a fait émerger des immenses stars. Donc moi, il ne m'a pas fait émerger comme star, c'est pas ça le propos. Mais moi, il m'a beaucoup appris parce que je n'avais jamais fait de théâtre. Et en travaillant, on a travaillé aussi sur la nécessité de penser bien l'occupation, par exemple, de la scène, de travailler sur les silences. J'ai encore beaucoup à travailler là-dessus. Et aussi de prendre conscience qu'il faut rythmer, que c'est vachement intéressant quand on casse, quand on est dans un moment très, très drôle, quasi, très, très farce. Et puis, clac, on passe dans un moment très d'émotion. Et finalement, moi qui n'ai jamais fait théâtre, il m'a en très peu de temps appris justement comment, par des méthodes aussi théâtrales, on peut passer un message de façon beaucoup plus, avec beaucoup plus de force, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt que les conférences gesticulées puissent aussi bénéficier à un moment donné d'un regard des professionnels du théâtre. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de mélanger les deux. Et tout en restant nous-mêmes, voilà, on est des citoyens et des citoyennes qui, par le biais d'un stage d'éducation populaire, vont construire un spectacle politique pour transformer les consciences. Mais on va le faire et on va essayer aussi d'apprendre les méthodes théâtrales. Moi, je pense que c'est énorme ce que ça m'a apporté à moi personnellement. Je n'aurais pas été capable d'abord de faire une conférence gesticulée si je n'avais pas participé à un stage d'éducation populaire avant. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça montre aussi que ce stage d'éducation populaire, la force de sa démarche, c'est que ça peut permettre à n'importe qui de pouvoir prendre conscience qu'il a énormément de choses en fait à transmettre parce qu'il a acquis une conscience de par son histoire, de par son engagement, de par son implication. Et par la dynamique de groupe, la confiance peut se transmettre aux uns et aux autres, peut se construire dans les uns et dans les autres, pour qu'on ressente finalement une capacité à pouvoir transmettre. Et ça, c'est extrêmement fort, parce que c'est ça justement la volonté de la démarche éducation populaire, c'est vraiment considérer qu'il n'y a pas certaines personnes qui sont en capacité de posséder un savoir et de le transmettre, voilà, par du haut vers le bas, et qu'au contraire, on est tous producteurs de sens, de par nos engagements, de par nos histoires, et donc on a aussi une capacité à transmettre. Mais là où c'est très fort, c'est sur, par exemple, la question
féministe concernant ma conférence gesticulée. Parce qu'au départ, la façon dont je traitais les anecdotes me concernant, c'était quand même très quasi décoratif, quoi, des petites anecdotes comme ça pour un peu alléger le propos et faire rire. Et il a fallu la dynamique de groupe qu'on me pousse dans mes retranchements, dans mes mécanismes de défense, pour que finalement je réalise, je prenne conscience, mais que ça avait été quelque chose de quand même extrêmement important et qu'il y avait eu beaucoup de violence dans ce que j'avais subi, même si c'était pas du tout de l'ordre ni du harcèlement sexuel et encore moins du viol. Les mécanismes de domination genrée en politique, eh bien j'avais besoin d'en parler, quoi, et ça avait un sens politique d'en parler. Et il a fallu vraiment tout ce cheminement de la conf pour pouvoir assumer jusqu'au bout ce fil-là. Et c'est très drôle parce qu'à la fin de la conférence gesticulée, les gens qui viennent me voir, bien souvent les hommes me parlent de la question de l'upérisation et les femmes viennent me parler et me donnent énormément de leurs propres anecdotes en disant mais c'est dingue, je me suis vue dans ce que vous racontiez et c'est des anecdotes qui touchent à leur vie privée, à leur vie familiale, à leur vie professionnelle, à leur engagement syndical ou associatif et que voilà, c'est totalement universel. Mais évidemment que la conférence gesticulée, pour nous, c'est un outil politique pour la France insoumise, pour mener la bataille culturelle. Et encore une fois, plein de conférences gesticulées, qu'elles soient réalisées par des personnes qui sont engagées dans la France insoumise ou pas. Parce que la bataille politique qu'on a à mener contre la logique oligarchique de notre système et pour changer tout cela, elle nécessite de mener la bataille culturelle. Voilà, moi je suis très attachée aux travaux de Gramsci et qui montrent que ben voilà, pour pouvoir devenir majoritaire politiquement, ben, il faut réussir à inverser l'hégémonie culturelle. Et aujourd'hui, c'est le système capitaliste, son idéologie néolibérale, consumérisme qui maîtrise la domination culturelle. Et à travers les conférences gesticulées, comme c'est un spectacle politique, et qui est réalisé par des gens, des hommes et des femmes pour lesquels on peut se projeter, s'identifier, eh bien leur spectacle politique nous permet d'apprendre plein de choses et aussi de remettre en cause nos modes de pensée et du coup d'avoir envie de s'engager. Donc ça véhicule énormément de choses. Après, de manière beaucoup plus simple, je veux dire, c'est vachement plus facile dans un quartier d'inviter les gens à un spectacle politique plutôt que de les inviter à une réunion. Un militant va beaucoup plus facilement inviter ses potes, ses collègues, sa famille à une soirée avec voir un spectacle politique qu'à une réunion politique. Et puis finalement, les gens vont rentrer dans un sujet, alors ça va être, je sais pas, moi, ça va être les médias, ça va être repenser l'agriculture, ça va être la question féministe, ça va être l'anti-pub, ça va être plein de choses différentes. Mais au départ, ils seront venus voir un spectacle. Et puis finalement, ils vont en ressortir avec une conscience sur un sujet et en plus avec le sentiment d'avoir passé un très bon moment. Et ça, je trouve ça très important parce que je suis persuadée que on a d'autant plus envie de s'engager qu'on voit aussi des gens qui incarnent une joie de vivre parce que finalement elle porte en elle toute l'insolence de la confiance qu'on peut changer le sens de l'histoire, quoi, hein, des gens dépressifs, et ben on va pas les voir. Donc je trouve que la conférence gesticulée aussi dans son côté bien vivre spectacle politique, c'est très fort, quoi. Mais en fait, faut revenir aux fondamentaux, c'est la culture d'éducation, la culture populaire, quoi, et qui est là pour émanciper. Donc évidemment, pour nous, c'est un super support pour mener la bataille culturelle. Bien sûr que si, on va jusque-là. L'idéologie dominante, elle sert à perpétuer la reproduction et la pérennité de l'oligarchie, voilà, et de la collusion cette petite caste, cette poignée de personnes qui a une collusion complète entre le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Bon, et pourquoi est-ce qu'à un moment donné les riches sont toujours plus riches et les pauvres plus nombreux? Pourquoi cette aberration du système? C'est pas parce que les gens ne savent pas qu'il y a une poignée de riches qui dirigent la planète, c'est qu'à un moment donné ils sont pris par l'idéologie dominante que les choses ne peuvent pas être autrement, et puis en plus on leur fait croire que pour être heureux il peut y avoir d'autres moyens de consommer et de rêver
à s'incorporer les habitudes, comme dirait Bourdieu, des modes de vie qu'on vous a imposés par l'idéologie dominante. Donc si on veut prendre le pouvoir et changer tout ça, il va falloir mener vraiment une bataille culturelle très forte et fédérer le peuple sur le fait qu'il y a un changement complètement possible pour permettre au peuple de reprendre en main son destin. Donc toute la bataille de la France insoumise, c'est une stratégie révolution citoyenne qui est de dire par les urnes, on peut essayer donc de fédérer le peuple et d'imposer quoi ? Eh bien une révolution c'est quoi ? C'est un changement radical. Donc d'abord, un changement radical de l'ordre institutionnel. Donc la prise du pouvoir par les urnes pour justement rompre avec la Ve République, convoquer une constituante et faire en sorte que par le processus constituant, le peuple puisse redéfinir totalement les règles du jeu, en finir avec la monarchie présidentielle, en finir aussi par exemple avec le grand monopole des grosses entreprises privées sur les médias et instaurer des contre-pouvoirs démocratiques à tous les niveaux pour que vraiment le peuple puisse reprendre ses choses en main. Et pareil, rompre avec les traités européens pour qu'il puisse restaurer sa souveraineté populaire. Bon, mais c'est aussi une rupture avec le mode de production pour qu'on en finisse avec cette logique capitaliste et productiviste qui bousille notre planète et qui bousille l'ensemble de nos droits sociaux acquis ou plutôt conquis par un siècle de lutte du mouvement ouvrier parce que la logique intrinsèque du capitalisme c'est d'exploiter au maximum à la fois les hommes et les femmes, leur force de travail et en même temps les ressources naturelles qui sont finies. Donc vous voyez bien que le projet de révolution citoyenne, à travers le programme L'Avenir en commun, à travers la volonté de fédérer jusque dans l'urne, mais en passant ben voilà, par tout un tas de luttes, luttes, combats contre les politiques nationales du gouvernement, mais aussi dans des luttes très concrètes, en passant par la quotidienneté, la vie des gens, l'auto-organisation dans les quartiers, contre les problèmes les plus basiques, hein, par exemple dans l'habitat, dans les quartiers populaires, on fait pas mal d'actions comme ça, en s'inspirant aussi des méthodes d'Alinsky là-dessus. Bon, mais tout ce travail-là, l'objectif, il est bien de changer radicalement le cours de l'histoire. Hein. Voilà, et c'est ça la stratégie de la révolution citoyenne. Et donc, la conférence gesticulée, c'est un des outils dans tout ça, parce que par le biais du spectacle politique, une contestation du système va pouvoir être transmise et puis surtout permettre de fédérer toutes nos petites histoires, parce que c'est ça le levier, c'est par le biais de nos petites histoires, les fédérer et montrer qu'on a un destin commun à écrire dans la grande histoire. Voilà, donc moi je suis tout à fait d'accord avec Franck Lepage, il faut reprendre notre souveraineté sur notre temps de cerveau disponible. Voilà, l'oligarchie veut nous piquer pour nous vendre Coca-Cola et compagnie et le mode de vie qui va avec, eh bien il faut qu'on se le réapproprie tous ensemble. Et c'est un bel enjeu, non ? Alors, le 15 janvier prochain, je vais jouer ma conférence gesticulée « Hubert, les salauds et mes ovaires » à Arcueil, à l'Université populaire d'Arcueil. Et puis après, il y a tout un tas de dates qui sont en train de se mettre en place dans plein de villes et départements différents en France, à l'invitation généralement de la France insoumise, mais parfois d'autres structures. Hein, il y a des structures associatives ou culturelles. Et d'ailleurs, vous, si vous avez envie de m'inviter pour que je vienne jouer ma conférence gesticulée chez vous, eh ben, c'est possible. Vous me contactez sur mon site internet ou bien par ma page Facebook et je serai ravie de venir.